Salut à tous, salut à toutes, c'est DR36 pour un nouvel épisode sur Sins of a Solar Empire Rebellion. Écoutez, comme je vous ai dit la dernière fois, on est dans une partie qui est relativement facile. J'ai tout mis en moyen, on est à 2 contre 2. Mais les adversaires en face, les bleus et les violets, qui sont des techs, donc des humains, des rebelles, nous on est des loyalistes. Bon, grosso merdo, c'est à peu près la même chose. J'ai encore jamais pris des rebelles au passage, c'est dans la dernière extension. Il y a des vaisseaux un peu différents, des fonctionnalités un peu différentes, mais de tech à tech, grosso modo, c'est à peu près pareil. Donc, on a une flotte ici, là, le jeu est en pause actuellement. À qui on va demander de coloniser cette planète, normalement avec ce capital ship que j'ai ici. Il a la faculté de coloniser les planètes. Ça se fera normalement dès que j'enlèverai la pause. Là, j'ai une autre planète qu'on va pouvoir encore un petit peu améliorer, un peu plus de population et de capacité logistique. On a déjà une défense correcte, 3 tourelles et puis 3 bases de lanceurs de chasseurs plus quelques frégates qui sont ici actuellement. Et puis là, notre arrière-garde, ou ici d'ailleurs, tiens, il me semble qu'il y a des vaisseaux. Qu'est-ce qu'on a annoncé? Essentiellement des défenses. Et puis notre capitale qui se porte somme toute assez bien et qui ne peut plus construire de capital ship. Tiens, j'ai plus de ressources suffisantes, j'ai une capacité de flotte de 206 actuellement. Je pourrais acheter de quoi faire plus de capital ships, ça, ouais. Deux structures de recherche dans n'importe quel type, ça on a déjà. Donc bah voilà, on va acheter. Juste checker la recherche, là j'ai encore de l'argent, ça va. Au niveau militaire, on n'est pas en train de rechercher, si, là. Non, ça on a déjà recherché, mais on pourrait améliorer d'ailleurs. On pourrait améliorer tout ce qui est laser et blaster. Tac, 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 c'est parti. Allez, on va lever la pause. Voilà. Pouvoir vendre un petit peu de métal, du coup. Ok. Alors, là, oui, j'avais ma flotte qui était en train de se faire bastonner. Ici, une de mes flottes, en tout cas. Je leur ai dit de partir, vite. Là, j'ai un capital ship, le Marza. Mon dernier capital ship, là, qui est pas mort, ça va. Tout le monde va se regrouper là. Du coup, la colonie ici a été faite. On va s'empresser d'améliorer les capacités logistiques de défense et puis construire des tourelles pour recevoir, s'il le faut, comme il faut, nos adversaires. Alors, ils n'ont pas tellement intérêt à venir là parce que du coup, il y a aussi là. Non, c'est pas des capital ships, mais ils ont une douzaine de frégates Shrinken. Je pourrais fusionner ces deux flottes et m'en faire une énorme ici avec deux capital ships. Ouais. Allez, on va faire ça. Ils doivent se soigner un petit peu. Ouais, là, il y en a qui sont pas en forme. Nous, on va leur dire de construire des chasseurs. Des tourelles. Proche de la planète. Ah, laissez-moi construire, voilà. Je manque d'argent. Et ben voilà. Research complete. Ah, et puis, allez, une autre ici. Ah, bah, il y a mes amis qui vont aller les embêter un petit peu. Très bien. Planet development finished. On va en profiter pour accélérer la vitesse du jeu, pour qu'on ait un petit peu plus de pépettes. Research complete. Allied backup has arrived. Bon, ok. Eux, ils bougent pas trop par là. Donc, pour gagner la partie, il va falloir qu'on contrôle un système. Allied forces are being attacked. Et un système avec relativement bien défendu. Je me demande s'il est pas autour de cette étoile pendant un certain temps. C'est la condition de victoire que j'ai déterminée. Mais pour pouvoir aller dans un système interstellaire, il faut que j'ai la capacité, voilà, du long range jumps, et c'est ce qu'on va rechercher. Ça c'est quoi? Senseur de drone, bref, on va pas investir là-dedans pour l'instant. Ce que je pourrais faire aussi, si j'ai la capacité, ah là je peux plus.
Là, il y a quelqu'un qui vient sur ma planète. Non, ça c'est juste une Arkova, donc un éclaireur. Structure complete. Ok. Non, ce que je voulais Research complete. faire. Ouais, mais là, il y a tout qui est blindé. Peut-être Planet pas development là. Non, finished. là aussi. Voilà. Non, c'est le Broadcast Center pour diffuser sa culture. Et puis. Enfin, ça permet en fait de renforcer sa culture. Et si on se fait choper des planètes, c'est plus difficile de les coloniser. Si je m'en souviens bien. Donc, ça. C'est une recherche civile qu'on va lancer là dans la file d'attente. Ok. Alors, notre méga flotte. Structure Ah, bah, ils n'ont complete. pas fusionné. You heard the Voilà. commander. Donc, on a deux capital ships. C'est. Tout le monde n'est pas encore bien guéri. On pourrait construire un centre de réparation ici. Enfin, je. Non, c'était quoi? Est-ce que c'est des drones en fait qui partent de la Frigate Factory? Tac-tac-tac. Ou c'est les vaisseaux de construction, je sais plus. Bon, allez, on va construire Allied forces are being attacked. une ici, plus un Broadcast Center là. Alors, les forces alliées sont en train de se faire attaquer, d'accord. Là, Structure il y a des complete. violets. Ah, d'accord. Il veut me choper mon truc là. On va reconstruire quelques frégates d'ailleurs. Ah, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Non, ça c'est des grosses. Deux javelis, deux Garda, deux Shrinken, Additional ou credits une. required. Excusez-moi. Research complete. Tout va bien. Tout va très très bien. Research complete. Est-ce que la recherche, voilà, je peux envoyer un petit corps All ordnance to expéditionnaire Canna là. for. Je crois que ça va être ce que je construis juste là maintenant, juste These quelques-unes. missiles won't fire themselves. On va l'envoyer Whatever là-bas. you say. Et il y a des pirates ici d'ailleurs. Pour aller se faire Structure des complete. pirates. J'ai envie d'envoyer ma flotte. Listen up, you hotshots. Ah, ils sont pas tous au taquet. Coming Hein. about. Je sais plus comment on les soigne. En tout cas, ils se régénèrent tout seuls, ça c'est clair, mais est-ce qu'on peut accélérer le processus si je leur dis d'aller. Ouais, ce vaisseau-là, il peut les réparer. Our ally's planet is under siege. Planète alliée Phase jump complete. en siège. Ouais, là, il y a quelques vaisseaux qui sont en train de faire chier. Et là, je peux rien envoyer. Squadron checking in. Non. Il a de quoi se défendre normalement. Y a pas grand-chose, hein. Pas grand-chose du tout. I need some Ici, là, excitement. j'en ai pas beaucoup. On va en construire encore. Un petit porte-avions. Puis on va leur mettre quoi en plus? Des Garda, je les ai upgradés avec les blasters et les Shrinken qui sont rapides. D'ailleurs, il y a deux Javelis qui doivent être. Où est-ce qu'elles sont? Elles doivent être en transit par là. Research complete. Who needs air support? C'est pas encore bon. J'ai 13 chasseurs, ce qui est pas mal. Heard you have a Ils fighter attaquent problem. Tantale. C'est déjà quoi Tantale? Yolnir. Il me semblait que c'était une demi-planète, Tantalus. Alors peut-être pas. Elenos. Air wing at your disposal. Je vois pas de quoi il parle. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est des alliés. Ok. I heard you have a fighter problem. Bon. Là, là, il devra en avoir construit un certain nombre. Ok. Finally. Les chasseurs, on va en faire une flotte de toute cette histoire.
structure complete. Ah, je vais bientôt pouvoir construire. Non, Capital Ship, il me faut au moins 3000. Puis on va envoyer par ici. Je sais pas où sont parties, mais. Ah, voilà, elles sont là. Where's the target? Ouais, elles doivent aller jusqu'à l'étoile. Et là, vous voyez, il y a le Broadcast Center qui est en train de diffuser la culture gentiment. Voilà, ça se répand. Listen up, you hot shots. Bon, allez. Ils sont déjà pas mal. You heard the commander. On lâche pas le morceau, on y va. On va même accélérer un peu le temps. Quatre fois. All power to jump drive. Ah oui, mais ça c'est mes alliés. Il dit que c'est sa planète qui est en train d'être attaquée. Bon, là on va mettre moins vite. Il y a du monde. Ok. Grosse bataille, hein. Mais ils sont moins forts normalement. Ouais, toute ma flotte, le gros vaisseau. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ok. Bon, il y a tous les chasseurs qui font le boulot. Par contre, il reste bien tranquille, là. 7 engagements. Non, local area. Ok. Ok. Et si je fais. Voilà. Donc là, on va leur dire d'avancer. Parce que sinon, mes pauvres petits chasseurs, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Comment je fais pour sélectionner uniquement les porte-avions? Comme ça. Non, ça ne marche pas. Bon, apparemment, ils n'ont pas besoin d'aller au contact, eux. Est-ce que ça va être suffisant? J'ai quand même deux capital ships. Ah, nouvelle habilité. Le truc nucléaire là, c'est déjà quoi? La bombe à radiation. On va leur balancer une bombe à radiation dans leur face. Ah, il est en train de se tourner, attention, boum! Oula! Y'a tout le monde qui prend un peu là? Ah, ça va. Ah, ouais, ça a bousillé tous les shields. Hein. Ok. Ça c'est. Ouais, c'est commercial. Ok. Bon, là on voit que les chasseurs y prennent. J'avais 13 chasseurs. Ils sont toujours 13, ils sont pas morts. Tout le monde part. Ils vont sauter. Non, la flotte elle est supérieure là. Même si elle a quand même bien pris. Bon, pendant ce temps, voilà, j'ai cette petite flotte qu'on va envoyer défendre ici. Et là, on va construire un capital ship. Et cette fois, bon, celui-ci. Allez, le Corsef. Boarding, parti, salvage opération, elite crew. Donc ça, c'est pour aborder. Ça peut être sympa. Ça peut être assez sympa. Un peu d'escorte. Faudrait que je fasse de la recherche pour avoir d'autres. Le Kodiak, hein, ça c'est une frégate anti-chasseur. Ça c'est assez cool. Et puis il y a les titans. Ah oui, il faudrait que je fasse un titan, mais il me faut du fric. Il me faut de la caillasse. Il faut que j'aille de. Mais je pense que je les aurais tués avant ça, quoi. Au rythme où ça va. Voilà, ils sont tous partis. On est en train de se faire tranquille ou le spatioport. Bon, ça c'est un scout, je pourrais l'envoyer explorer. Hein. Voilà, ils vont nettoyer gentiment le système et je pourrais envoyer attaquer la planète avec mon gros capital ship Marza. Voilà, un spatioport en moins. Gardez-moi le Marza, cette histoire. Hop, on se centre sur lui.
et il va nous pilonner la planète. Alors tout seul, ça prend un peu du temps. Hein. Normalement, il faudrait que j'aille aider Crossoff, je crois. Ce sont les petites frégates pour les bombardements planétaires. On accélère un peu. Voilà. Alors, ça, c'est son attaque de base. Normalement, là, on sait sa grosse attaque. Voilà. Merde. Il y a les explosions nucléaires à la surface. J'adore. Mais il me semble qu'il y en a une qui est beaucoup plus grosse, normalement. Elle se recharge quand? Il faut combien d'antimatière? 90 et je suis à 85. Alors là, on voit la santé de la planète qui diminue, avec son allégeance qui est à 80%, 85%. 718 sur 1000 de santé planétaire. Et on va balancer... Rasez-moi cette planète. Alors là, il va devoir balancer la grosse Bertha. Ah non, mais j'ai toujours pas déclenché. Voilà. Attention. Voilà. Ça pète un peu plus. Ou alors je l'ai pas déclenché, j'ai rien compris. Mais... Ah. Toi, tu attaques. Normalement, dans mon souvenir, ça faisait des rafales. Parce que là, il l'a toujours pas utilisé. Pourquoi? Voilà! Ça, c'est une explosion digne de ce nom. Voilà. Eh ben, j'aurais galéré pour vous le montrer, mais vous l'aurez vu. Donc ça fait du mal. Ça c'est... C'est qui ça? Ah c'est mon autre... Ça c'est mon autre capital ship qui lui pourra coloniser la planète. Je peux d'ailleurs améliorer encore ses capacités. Allez, Lion Bolt. C'est contre les autres capital ship. Donc lui il va démolir la planète. Et puis ensuite on va la coloniser. Voilà, comme ça on a tout en un. Et là, il y a un Neruda. Ça, c'est un truc diplomatique. Je sais pas encore comment ça marche. Est-ce qu'il y a moyen? Ah non. Je me suis gouré. Bon. En tout cas, c'est un ennemi. Et il se fait péter la tête. Ah oui, non, là, j'ai un capital ship contre ça seulement. Ils vont se faire nettoyer la gueule. Ah non, mais ça, c'est un allié. Je suis bête. Donc ça, c'est bon. On est en train de les nettoyer dans le coin. Ok, ok. Hey, mais j'ai oublié. Ici, on est sur l'autre système. On va explorer là, on va voir ce que c'est. Ah, puis là, je les ai perdus. On va renvoyer une petite frégate de colonie. Et puis là... Ah oui, la recherche, les négligés. Le Kodiak. Et les Titans. Ah, voilà, on s'est fait la colonie. On va construire des Kodiak pour se faire une nouvelle petite flotte, là, depuis derrière. Oula, il y a les renforts qui sont arrivés. Ils sont beaucoup, quand même. Hein. Allez. Allez-y. Il y a un capital ship ennemi. Ils sont beaucoup. Je me casse. On va se replier. On va pas faire les casse-coups. On va construire 2-3 renforts. On leur a fait mal, c'est l'important. Oui, je peux faire encore des chasseurs pour la défense. Et des Kodiak. Voilà. Est-ce que tout le monde part? Partez tous, Taïo! Ils sont pas contents. Ok. Bon, on les a enfoncés par là.
On va les laisser se renforcer là derrière. Et puis là, effectivement, ils m'avaient colonisé mon truc. Il faudrait que je leur bute leur petit truc. Mince. Protef. Voilà, Protef. Les frégates Protef. Puis là, ils sont en train de me titiller à ma capitale. Non, c'est encore un scout, c'est bon. Pas de souci. Et puis là-bas, ça ressemble à quoi? Ah bah voilà. Donc, dans la bataille, si j'ose dire, là, mes deux frégates se sont fait éliminer par la planète Fortuna, que il faut occuper et détenir pendant je sais plus combien de temps pour gagner la partie. Donc, ce que je vais faire, on va aller continuer à les contenir tranquillement, c'est pas trop compliqué de ce côté-là. Puis je vais construire une bonne flotte à partir de là pour essayer d'aller coloniser la planète. Je pense que ça devrait être rentable. Et puis ces deux planètes-là, si elles restent bien comme il faut, faire 2-3 incursions en 2-3 épisodes max, ça devrait être réglé cette histoire. Donc tout ça pour vous dire que ça va être terminé pour aujourd'hui, ça fait 20 minutes. Et vous voyez un petit peu les plans pour les prochains épisodes. S'il y a des gens qui sont intéressés par faire du multi, puisque le jeu s'y prête, moi je suis ouvert à toute proposition. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Nuit, journée, dans le désordre, on sait jamais. C'était DRK36 sur Sins of a Solar Empire Rebellion. A très bientôt, ciao!